Et bonjour Harry Seldom, et merci Harry Seldom pour ton 19e mois d'abonnement. C'est mon anniversaire de partenariat, je suis partenaire de... quoi, depuis un an, 2 ans? J'en sais rien. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui nous sommes dans Jedi Survivor. On va faire une petite rumeur, les rumeurs c'est des missions annexes. Et on va faire une rumeur un peu plus peut-être intéressante. Et ensuite on va faire la quête principale. Donc qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ça? Explorer la salle. C'est sympa ça. La salle dans la salle de la Haute République dans la vallée. Donc il faut que je revienne en arrière. C'est quoi cet endroit? Ah ouais, je suis jamais allé là en fait. Ok, je crois savoir où c'est. C'est parti. Les salles de la Haute République, c'est l'équivalent. Merci Sully. C'est l'équivalent des tombeaux dans Tomb Raider. Ah, je suis content. Alors j'ai un peu. J'essaie de terminer avant midi. Enfin non, j'essaie de terminer avant manger, mais en général j'ai encore une ou deux choses à faire. J'écris pas beaucoup en ce moment. Je me sens un peu coupable, mais ça fait partie des choses qu'on appelle les vacances. Donc faut pas que j'abuse trop non plus. Oups, désolé. Eh oui. Je vais être honnête avec vous. Oui. Et maintenant, la mine est à moi. Fais gaffe quand même. Qui sait s'il n'y a pas un autre rencor là-dedans. Vous vous moquez de moi, c'est ça? Hein? Alors, est-ce que c'est par là? Je crois pas. Non. Attends, c'est dans... C'est ça que je cherche, hein. Donc, il faut que je remonte un peu. Merde, merde, merde! Ouh là là! Merde! C'est quoi, un rencor? Non, c'est pas un rencor. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Putain, la surprise, j'étais en train de regarder ma carte là. D'accord. L'espèce d'attaque comme ça là, c'est vraiment la punition, tu vois. Boum! On punit vraiment les gens quand on fait ça. Bah dis donc. Salut. Oh, Izork! Tu connais Zork? La vallée sud. Donc a priori, c'est pas par là, hein. Je rouvre ma carte. J'aimerais bien aller là-haut là. Il y a un truc. Oh merde. Putain, mais c'est peuplé, hein? D'accord, pas toi. Toi. Voilà. Ok, maintenant, c'est entre lui et moi. Ouh! J'ai essayé de parer, je sais pas pourquoi ça va passer. Allez, tu meurs quand? Voilà. Salut Rilwin, salut Gliglop, ça va? C'est un bon après-midi. Ok, donc je reviens. Donc c'est juste au-dessus de ce plateau. Le temps d'aller au plateau, j'ai déjà perdu. J'ai déjà. Attends, j'ai ma gourde, je vois pas combien de trucs. Je sais plus que. Je déteste les cactus. C'est pour ça que je me permets d'en tuer à quelques-uns. C'est mon anniversaire de partenariat. Vous n'êtes pas obligé de se baisser. Encore des pierres. Mais c'est pas possible.
chier. Putain, il y a des ennemis partout, quoi. Là, super, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Eh bien. Tu t'es mis de mon côté, mon gros. Dire que lui, à la base, c'était un boss, quoi. Maintenant, c'est genre un péon. C'est vraiment l'esprit Dark Souls. C'est beau quand même, c'est. Allez, on va encore se soigner. Oh putain, c'est lui qui gagne à chaque fois. Oh, et après, il fait une attaque inratable. Peut-être que la mienne, elle est ratable. Seriously? Ok, donc c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est ça qu'on a entendu? Salut Sofintech, salut Dist. Donc ouais, Zork, tu connais Zork? Parce que Zork c'est un peu... dans les gens qui font de la fiction interactive comme moi, c'est un peu le truc le plus classe du monde. D'accord. Ah. Encore des druides, mais c'est pas possible. Donc là, c'est une zone auquel je suis jamais vu, quoi. Voilà. Ah putain, il meurt pas sur le coup, quoi. Ah, il a du réflexe, le. C'est pas normal parce que là la première fois j'ai fait vraiment une pixel. Mais en fait le problème c'est que on est en stream aussi. Et en fait je stream la console. C'est compliqué de faire des choses parfaitement. Ok, bah on va explorer. Je manque un peu de vie mais. Putain, il y a des tas de lieux que j'avais pas vu. Le jeu est immense, hein. Il est vraiment, c'est vraiment un très bon jeu. Oh my god! Waouh! Normalement, ils sont faciles à battre, eux. Normalement. Qu'est-ce qu'il y a là? On fait ça, ensuite on descend. Et là, il y a un ennemi en bas. Ok. On va attendre que ce soit plus sur le bord, qu'on puisse le one-shot. Assassin's Creed, c'est pas tout à fait pareil. Assassin's Creed, c'est un peu. Je dirais qu'il est très proche de Tomb Raider et de Dark Souls. Parce que Assassin's Creed, t'as quand même, tu sais, l'effort de. Comment ça s'appelle? Merde. L'effort de. Merde. Ok. L'effort à ouvrir là, bah, ça c'est un peu des copier-coller, tu vois. C'est un peu comme les tavernes de Skyrim. Merde. D'accord. Très bien. Tout ça pour ça, quoi. Super.
C'est un peu mieux. Je manque un peu de vie. Yes, super, un bouclier de moustache, trop bien. Ok, ensuite, on peut pas descendre tout en bas. À la fois. Problème résolu. Alors là, il y a deux. On peut pas les influencer de loin. Pour aller là. Est-ce qu'elle a moyen de jouer plus d'infiltration? Oui, il y a des moments d'infiltration. Là, c'est. En fait, il y a des. Il y a différents pouvoirs. Après, ça reste quand même un jeu. Oh, mais j'avais pas vu ça. Ça reste un jeu très. Très action, quoi. Moi, j'aimerais qu'il y ait des combats de Jedi plus. Plus dignes, tu vois. Plus. Ah, excusez-moi. Bon, là, tu vois, c'est un peu à la Assassin's Creed, ça, tu vois. Mais c'est plus ambiance Dark Souls, où tu peux être infiltration. C'est-à-dire, t'as des gens prennent les ennemis par surprise et tout. Mais tu vois, il faut être prudent. Là, tu vois, je pense que sur un des deux côtés, il y a un ennemi, là. Ouais, c'est très Dark Souls. Et donc... Non. Ah, je le savais. Là, j'ai jamais fait cette partie du jeu. Et tu vois, ça sentait. Là. Ça craint un peu là. Ok. Yes. Ah bah cool. Donc j'ai l'information. Si je tue des mecs à distance. Il évite bien. Allez. Allez, franchement, il y a les combats avec un peu de skill là. Merde, merde, merde. Désolé pour le skill. Non! Ça, c'est un peu une. Comment ça s'appelle là? Ben Kenobi quand il est accroché. Ouh! Dites-moi qu'on arrive à la fin là, parce que j'ai plus de quoi me soigner. Ah, j'ai débloqué un raccourci, ce qui est cool. Mais c'est quoi, ça sert à quoi ce raccourci? J'aurais pu passer. Hein? Ça sert à quoi de faire ce que j'ai fait? Ça sert à quoi? À rien en fait, en vrai. C'est pas du tout là où je devais aller. D'accord. Donc si je reviens là, qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai loupé un truc. Ah oui, mais oui, mais c'est en face, bien sûr. Oh là là, oh là là, le débile. Waouh. C'est ça qui nous intéresse. Ouf. Merci docteur Bronian. Tellement fier d'être partenaire. Ah, saut de menace, mais je l'ai tué. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est l'équivalent des tombeaux dans Tomb Raider. Subnautica. Alors, l'original ou Below Zero? Pour plein de raisons, faut prendre l'original.
L'original est bien mieux. Ok. Il est mieux. Alors, c'est compliqué parce que le Below Zero, il est très impressionnant. Mais en fait, si tu veux avoir une expérience Subnautica, tu vois, cette espèce de. Tu mets la tête sous l'eau et t'as le grand vide. Bah, ça, tu peux l'avoir que dans Subnautica 1. Et Subnautica 1, il y a quand même des moments absolument. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Heureusement qu'on a débloqué le. Allez, un boss. J'ai pas de quoi me soigner. Hein. D'où ces péons, d'où ces randoms, ils ont des sabres laser, en vrai. Ah, mais tu vas faire des attaques imbloquables tout le temps? D'accord. C'est, ça va être compliqué au niveau de la... Ah ouais, prends ça. D'accord. Il est un peu lent, hein. Je suis en train de me faire démolir, mais... Est-ce que ça vous est arrivé, un jour, d'avoir un PC tellement lent que finalement le jeu devient plus simple? Hop, hop, hop! Alors ça c'est ballot. Ça, c'est ballot. La Bible lui parle mieux. Oui, je sais, je sais, je sais. En fait, la Bible lue par Dieu, on est en train de renommer. On s'appelle, heureusement, ça. Ouf. Hein. Donc, pour le premier Subnautica est bien meilleur. Et si ça te plaît, tu peux tenter... Ah ! Je repars là ! Si ça te plaît, tu peux Ah putain, mais... Oh, my God. Ok, pas grave. On est bien dans notre tête. Mais enfin, c'est beau. Salut Garbuck. Et en plus, comment dire, Below Zero, il y a des petits délires. Et puis ça parle beaucoup dans Below Zero. C'est-à-dire que dans, je trouve que Subnautica 1, il a quelque chose d'extraordinaire, c'est cet aspect. Comment dire, c'est cet aspect t'es tout seul, ouais, t'es tout seul, enfin c'est Robinson Crusoe, si je me dis qu'un, ouais, je dirais que ouais, c'est Robinson Crusoe. Quoi ça? Donc voilà, à très casu. Bah, il y a des modes de difficulté, mais le 2 est pas plus casu que le 1. Alors, normalement, il y a des ennemis là. Waouh. Wow. Au moins ils pourront pas me rattraper. Écoute, tu me diras si... Enfin, j'ai au moins deux runs en mode extrême. Donc si tu meurs une fois, tu meurs définitivement sur mon YouTube. Mais ouais, c'est une grande aventure. Vraiment, il y a des moments. Il est où? Bah il est où? Ah, il est là. Yes, il y en a. Maintenant,
Maintenant, c'est une autre sauce parce que j'ai de quoi me soigner. Après, c'est vrai que dans Dark Souls, parfois les. Oh là là, pourquoi j'ai décidé d'être mauvais aujourd'hui ou quoi? Attends, il faut que je récupère. Voilà, je récupère mes points de. Et là, j'ai 3 points de compétence! L'enf. Ah ouais, bah. Ça aussi. Je me souviens plus comment on lance le sabre. Oh, pas mal ça. Je trouve qu'il a un petit côté Luke Skywalker, il a un peu les mimiques. Tranquillement. Allez, on se soigne. Allez, vas-y. En petits morceaux. Wouh! R1 triangle, R1 triangle. Peut-être. Peut-être que je l'ai pas acheté la compétence. Cancer niveau gameplay, ah non, je le trouve excellent. Je le trouve aussi précis qu'un comment ça s'appelle? Je trouve aussi précis qu'un Dark Souls 3. Voilà. Elden Ring étant très précis, Dark Souls n'étant pas précis. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Lamua? On peut savoir? Ah, c'est tout? Ah, j'ai déjà, il n'y avait pas de. Persévérance. Oh. Les pièces sont uniques. Je les aime beaucoup. Je le trouve, celui-là, je le trouve mieux que l'ancien, que le premier Jedi qui s'appelait Fallen Order, que je trouve un peu cucu, et qui était, mais enfin celui-là, il y a des beaux open world, il est beau quoi, tu vois. Et puis il y a des planètes, enfin il y a les planètes des sables, voilà. Mais c'est pas la planète des sables, la planète de la glace, oui. Elles ont quand même un peu de cachet, elles ont un peu travaillé, donc pour le coup, je suis content. Par contre, sortir d'ici, j'avais pas pensé. Comme je joue beaucoup à Zelda, à chaque fois, je me dis, oh, c'est pas grave, je ferai un petit infiltration, tu vois, mais ouais, ça va, laissez-moi tranquille, les gars, laissez-moi tranquille. Oh, putain, je me prends la sauce. C'est bon, stop. C'est bon, stop, 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 stop. Voilà. Fuyons. Faut jouer au premier pour jouer celui-là. Non, non, non. Enfin, il y a l'histoire, tu vois. Mais il y a. Ok. L'histoire qui est importante, mais en vrai, non, non, il est très riche. Bah là, c'est bien que vous soyez là, parce que je peux pas te le prendre, désolé. On peut aussi chevaucher des chocobos, comme vous pouvez voir. Attends, je vais me soigner un peu et je vais monter en niveau. Mais en fait, le premier, il m'a fait penser à. Lord of the Fallen, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Lord of the Fallen, c'est un Dark Souls-like. Vraiment, il suce Dark Souls, tu vois. et les combats, en fait, ils sont très très longs parce que
Et donc moi, les combats de boss, j'ai trouvé trop trop long dans le 1. Là, il y a beaucoup de boss, il y a beaucoup plus de variété, c'est plus sympa, quoi. Alors, je voudrais améliorer la force, c'est parti. Notamment l'emprise qui m'est très utile, je suis un peu un gars de l'emprise maintenant. Voilà. Et ensuite, ok, très bien, on augmentera ça plus tard. Attends, je vais voir comment ça coûte la prochaine. Celle-là, elle coûte un point, un seul point de compétence. Ça va. Bon. Est-ce qu'il y a une autre side quest qu'on pourrait faire qui est sympa? Là, il faut qu'on aille là-haut, c'est ça? Ça tombe bien, il y a une side quest sur le chemin. Ça, c'est une side quest ou c'est quoi? Ah, c'est le jardin de la cantina. C'est quoi cette rumeur? Qui m'attaque? J'en peux plus. Ça s'arrête pas là. En fait, il y a aussi un côté Red Dead Redemption où t'as des. Alors, ça, c'est quoi? Détail de la rumeur. Bah oui, bah alors. Bah, je vais lui en parler de la chasse aux primes. Keiji, je sais pas qui c'est. C'est qui Keiji? Je crois savoir qui c'est. On va voir la chasse aux primes. Mon jeu de cœur. Là, je commence à être un peu saoulé de Zelda. J'ai pas de jeu de cœur en ce moment. J'ai plus envie de vivre. Mais je suis content d'être avec vous et de jouer sur le canap' avec vous. Voilà. Maintenant que j'y pense, on va bien regarder les mystérieuses cités d'or. Je me souviens bien, Keiji, c'est elle. C'est elle, Keiji, non? Ah. Alors, Dave the Diver, ça me fait envie, mais tout le monde y joue. Donc, je me dis. Ah, c'est marrant, Droxerp. Donc, Droxerp. Dit j'arrive pas à imaginer les mondes en plus de 3-4 dimensions. Et donc Roger Penrose, spécialiste des pavages, c'est Dr. Bronian, et là il pourra nous en parler. Donc les pavages, c'est le fait de mettre du carrelage au sol. Ok, donc quand les carreaux sont carrés, c'est facile. Quand ils sont pentagonaux, ça commence à être un peu vénère. Mais imaginons qu'ils aient. L'idée, c'est de faire un carrelage avec des formes un peu étranges. Donc, c'est un vrai sujet. Et Roger Penrose a reçu le prix Nobel de physique, je crois. Les gens le prennent un peu pour un illuminé. Moi, en tant qu'auteur de science-fiction, j'aime bien. Et. Ah non, c'est pas Roger Penrose. Si, je crois que c'est Roger Penrose. Qui disait que, en fait, quand il fait l'amour, et qu'il a un orgasme, et qu'il s'endort un peu juste après, il arrive à voir les quatre dimensions. Comment ça s'appelle? Ah si, personne ne prend pour un illuminé. Si, parce qu'en fait, alors à moins que je me trompe, hein, c'est que il a une théorie comme quoi le Big Bang, l'univers s'étend depuis le Big Bang et ça va se remettre sous forme de Big Crunch et ça va se re-Big Banger plein de fois. Et donc. Voilà, ça c'est sa première théorie, déjà peu de gens y croient. Et en plus, il estime que dans le fond diffus cosmologique, il y aurait moyen de laisser des messages d'un univers à l'autre pour discuter entre générations d'univers, tu vois. Je pense que c'est son côté bouddhiste, à moins que je confonde avec un autre gars. Et sinon, Poincaré, je crois que c'est Poincaré, qui avait proposé une méthode pour imaginer. C'est quoi ce truc qui brille là-haut? Bon, bref. Elle avait proposé une méthode pour imaginer une sphère en quatre dimensions. Donc en gros, je vous donne la méthode, mais je dis pas qu'elle marche, d'accord? Ok, cette théorie est ancienne et avant Penrose. C'est possible, mais en tout cas, quand il a eu son prix Nobel, si c'est bien lui, parce que je confonds peut-être dans ma tête, il a dit ça. Et je sais que moi j'ai trouvé ça vachement excitant. Je dis ah, oh, trop bien et tout. Chaque fois que j'en ai parlé autour de moi, les gens m'ont dit
théorie nulle, le mec est un illuminé, il sucre les fraises. Alors peut-être c'était des jaloux, hein, voilà, je sais pas. Mais moi, si Dr. Brian était pro-Penrose, ça me rassure, parce que moi, j'aime bien cette théorie-là. Cela dit, Poincaré, donc, il a suggéré la chose suivante. Je me trompe encore, il faudrait vérifier les sources, je suis fatigué. Donc, une sphère en quatre dimensions. Droxerb, j'espère que tu écoutes bien. Tu prends un ballon de football. Tu sais que les ballons de football, c'est un rond. Excusez-moi pour ce terme mathématique. Et dessus, sur le rond, il y a des petits octogones de tissu. Voilà. Et donc, il dit c'est facile. C'est facile, vous prenez le rond mais bah, écoute, Dr. Brian, t'as eu beaucoup de chance. Moi, de toute façon, j'aurais pas su ce que. Si je l'avais croisé, j'aurais pas su ce que j'aurais dit. Et je reconnais son. Enfin, moi, personnellement, j'ai le plus grand respect pour Penrose. Donc, quand j'ai dit que c'était éliminé, je rapportais des propos qu'on m'avait dit de gens aussi que je croyais respecter, peu importe. Bon, je reviens sur mon ballon. Donc, le ballon, les octogones. Donc, en fait, dans un ballon de football, un octogone fait face à un autre octogone. Tu vois, les deux côtés. Il y a toujours, c'est comme un dé, il y a toujours les faces qui sont. Alors il dit, c'est facile, vous prenez votre sphère et vous la tordez pour que les deux octogones opposés se touchent. Voilà. Et ensuite, vous faites ça avec tous les octogones. J'adore parce que c'est vraiment un truc mathématicien. Ces mathématiciens, tu sais, ils disent 1 plus 1 égale 2, vous avez bien compris. Et après, ils te disent, bah maintenant faites ça, tu vois. Tu comprends rien. Donc voilà. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop compris non plus. Allez, c'est y part. Alors, on va sur notre chemin, donc on va là, on va essayer de pécho cette rumeur. Comment on peut faire? Je suis la rumeur. Voilà, c'est parti. Enfin, je mets un petit. Sur que des pentagones et des hexagones, moi. Tu vois, t'imagines tellement je suis bon en foot ou en sphère. Bon, en tout cas, il faut coller les deux parties. Les deux parties opposées, quoi. Alors, est-ce que je suis dans la bonne direction? Je suis dans la bonne direction, c'est y part. Finalement, peut-être suis-je bon uniquement à. Ouh là là! Allez, battez-vous pour moi. Sympa. Donc là, j'avais trouvé un truc là-dessous et j'avais pas encore le pouvoir pour le gérer. Je crois. Ah oui. Oh merde. T'étais caché où toi? Attends, je viens d'avoir un flashback de. Parce que là, en fait, lui, il attaque trois fois, après tu peux l'attaquer. Je viens d'avoir un flashback de Elden Ring, où tu sais pas le nombre d'attaques que les ennemis font. Tu sais, il attaque une fois, deux fois, trois fois, tu sais pas. Alors. Ça, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Ça, il faut pas le tuer. D'accord. Alors ça, on fait quoi? Si on les touche pas, ils font rien. Faut ouvrir ça ou pas? Ok. Et donc là, il y a quoi? Ah oui, tu vois, ça, on pouvait pas le faire avant. Maintenant, je peux. Et rentrer donc du coup dans le. Waouh! Ok. Bref. Waouh! Waouh! Ok. Elle est jolie cette cave quand même, ces petits. Tu vois, Dr. Bronian, tu vois, ce côté Subnautica, à part que dans Subnautica, tu manques d'oxygène en permanence, donc t'as toujours peur. Mais tu vois, t'as ce côté, à un moment, tu rentres dans une cave extraordinaire, vachement belle et tout, tu vois. J'arrête pas de dire tu vois, tu vois, tu vois. C'est la. Ce truc est dangereux.
Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Mais ouais, moi je veux bien. Allez, scan! Génial. Je veux tes points d'expérience. Ça manque de son? Vous entendez pas tout le son là? La musique là, vous l'entendez pas? Ah, il y en avait deux, d'accord. D'accord, j'ai tenté. C'est quoi, on va aller là? Je crois que je vois une... Ouais, très bien. Magnifique. C'est bien, je dérape un peu parfois. Il est joli le... Ah, c'est vrai que le son... Mais là, c'est pas censé être oppressant. C'est plus... En fait, c'est un jeu de combat, surtout. Un peu comme... En fait, il y a vraiment des jeux... J'ai joué un peu jeune. J'avais pas beaucoup de skills. C'est les Batman Arkham. Ils sont géniaux. Par contre, on peut pas les streamer, quoi. C'est un peu comme les Bioshock. Je pourrais les streamer un peu illégalement. Mais il n'y a pas... Normalement, tu peux pas streamer... Je peux avoir... R2-D2, là. Wouh! Après un bon combat, une belle élimination, ça fait plaisir. Ok. Donc là, on peut redescendre, mais on va pas descendre tout de suite. Ah merde! Mais c'est une usine à robots, quoi! Ah, il m'a bien eu, là. Il est mort? Ah, c'est un nouveau type de droïde, incroyable. Plus puissant, plus rapide. Ok. Redoutable au combat à n'importe quelle distance. Merci. Merci pour le tips. Oui, bien sûr, bien sûr. Cherchez quoi que ce soit de notable. Si quelqu'un tente d'interférer, tuez-le. En fait, ce qui est extraordinaire dans Subnautica, c'est le cheminement personnel. C'est-à-dire que tu es sur cette planète, tu as peur tout le temps. Tu as peur. Tu te dis j'y arriverai jamais, voilà. Et on peut descendre, mais je vais monter d'abord dans un premier temps. Et tu trouves une île, tu te dis oh putain, ça y est, enfin. Et en fait, le jeu, il te fait comprendre, mais petit à petit, mais tout petit à petit, il te fait comprendre que si tu veux t'en sortir, il faut que tu ailles tout au fond de l'eau, tout au fond. Et c'est une vérité que tu veux pas savoir. Tu vois, les gens, ils disent. Et j'avoue que cette espèce de dialogue entre le jeu et toi, tu vois, tu veux pas aller plus loin, c'est bon, t'en as vu assez. Putain, c'est beau. My god. Ha! Ok, donc là, il y a un autre trou. Et pourquoi je peux pas aller là, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a qui... Ça, c'est là où je devrais aller. C'est là où je viens d'avoir l'entrée secrète. Voilà, d'accord. Donc ensuite... Normalement, cette entrée secrète doit donner... En fait, Star Wars, tu vois, il y a des effets de lumière, moi, qui me rappellent ma jeunesse. C'est quoi, ça? Non. D'accord, très bien. Oh, putain. Ok. Alors, ensuite, je suis là. Je peux descendre là. Voilà. Sûr, il y a un rencor, là. Sûr. Oh, oh. Ça, comment on le fait pour le... Activer, je ne sais pas. Là, il me semble avoir des choses. Là, si je me pose au milieu, il y a une bestiole affreuse qui va sortir. Il faut rentrer. On doit prévenir les autres. Ouais. Je crois pas qu'on pourra rentrer. Le rouquin. Moi, j'aime pas trop le. Je trouve ça un. Sorte de... Pas de trop, mais tu vois... Oh putain, mais c'est immense, cette quête secondaire. Attends, j'essaie de comprendre. Oh là là! Merde.
Ok. Oh là là. Ok. Voilà. Eh ben. Ah, il y en a d'autres. Ok. Il y en a là ou pas? Yes. Raté. Comme ils explosent en 2 secondes là. Voilà. Bien caché le petit, hein. Ok. Je ne fais que descendre pour le moment. Merde! Bon, c'était inévitable, j'imagine. Quoi? Mais c'est pas possible! Je lui ai fait le petit... Ça n'a pas marché. Bon. Heureusement que j'ai de la santé à force de tuer des boss là. Alors ensuite, il y a quoi? On descend encore, mais c'est sûr qu'il y a des ennemis là. Qui me parle? Ah! Vous ici, monsieur? C'est un pêcheur. Salut Scuba. Qu'est-ce qui rôde sous la surface aujourd'hui? Cet endroit bizarre abrite un résident mystérieux. Le rôdeur TKT viril. Je trouve que l'intro du 1, elle est magnifique sur le sur pas sur pas que sur Coruscant mais sur. Et je trouve l'intro du 1 est fantastique, l'intro du 2 est fantastique. C'est des bons jeux pour moi. En fait, surtout plus que des bons jeux, c'était des bonnes surprises. Magnifique. Ok. Et donc mon gars, on va par où? Ah, je crois que j'ai une idée d'où est-ce qu'il faut que j'aille. Un petit peu de... Alors c'est un champion de l'apnée, hein. Oh yes. Ok, bon c'était pas par là qu'il fallait y aller en tout cas. Alors il est où mon petit pote? Ouais, le jeu est pas trop mal. Moi, enfin dans ce type de jeu, bon, outre les Dark Souls qui sont absolument fantastiques, les jeux qui m'ont choqué, enfin le reboot de Tomb Raider, j'ai trouvé, il a changé ma vie quoi. Et c'est marrant parce que ces trois jeux, à chaque fois il y a plus de moyens et à chaque fois ça m'a toujours plus ou moins déçu. Ça a baissé en qualité. Alors ça nous amène où? Ah oui, au truc du début. Je reviendrai par là tout à l'heure. Alors là, tu vois ces petits vases là. Non, ça va. Comment dire à... Oulala, là là, il a une cape! Ouh! Ah putain, il est pas mort! Merde! Merde! C'est un Magnagard. Nouveau ça. Je peux voir mon personnage? Non, 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 oulala, là, 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 là. C'est pas... Il y en avait deux. Alors, non seulement il était en deux parties, mais en plus il y en avait deux. Oh là là, un Magnagard. Alors, les Magnagard, vous Magnagardiez quoi? Ça devait être sympa de faire cette bataille là avec tous les pots là.
Ah merde! Encore un McDingard. Ah oui, mise à jour des protocoles, il y a des, il y a des, il y a des ennemis qui deviennent plus forts dans le jeu là. Il y a une espèce de robot. Allez. Là, je me ferai pas avoir. 3 Magna Guard alors, hein, tout simplement. Wouh! Ah bah, je le mérite ce point de compétence. Hein. Merde, il y en a encore? Des poules nagardes. Compte Doku? Non, moi j'y connais rien. Je n'y connais rien. Ah, regarde, il est de l'autre côté. Alors, je fais pas peur. Putain, il faut que j'économise ma santé alors. Quoi? On peut ouvrir ça ou pas? Non? Si je vais là. Yes, un raccourci. Je vais pouvoir me soigner. Ah non, je vais pas me taper les 3 manigardes. Ok. J'arrive où là? Ah oui, donc là je suis. Ok. Bon. Non, on va pas se retaper les 3 magdingardes. Attends, on va faire un truc. On va pas se re... Ah! Quel enfer! Ah, Count Dooku. Donc toi, t'es un fan de Star Wars, j'imagine. Force, c'est parti. On va booster l'emprise. En tout cas, je les trouve mieux que Fallen Order. Non, que... Le truc avec l'autre roue, Starkiller là. Comment s'appelle ces jeux? Jedi. Je sais pas quoi. Parce que. Parce que. Alors, à part. Enfin, Starkiller c'est un peu. C'est très brouillon, tu vois. C'est vraiment un jeu des années 2000 avec beaucoup de production value. Mais par contre, la scène. Qui est complètement pas canon et qui fait grincer des dents à tout le monde. La scène où il y a le héros Starkiller qui genre fait ça et il fait tomber un Star Destroyer à la surface d'une planète juste avec la force, j'ai un peu kiffé. J'ai un peu... Ok, tout simplement, d'accord. Ok, pas de problème. Moi je gère, hein. Hop. The First Unleashed, voilà. The First Unleashed. J'aimais beaucoup. Alors, je suis pas fan de Kyle Katarn, qui est vraiment. Je veux dire, il ressemble à un mec des années. Il ressemble tellement à un mec des années de cette époque, tu vois. On peut descendre en bas ou pas? On va voir si on peut descendre. Non, d'accord, ok. Donc, comment je fais pour remonter, mon vieux? Il y a un moyen? On peut passer là ou pas? Non? J'arrive pas à voir comment je peux remonter. Ok. Moi qui me disais j'ai pas trop de. Ok. Bah alors, tu vas pas me dire que. Ah attends, je suis trop con. Non. Ok. Pas de problème. En face peut-être? Non. Ah ouais, ouf. Forcément, ça devait forcément être en face. Waouh! Encore un raccourci? Ok, très sympa. Très très sympa. Donc. Oh
Encore un Magna Guard? Je suis où? D'accord, il faut que j'aille. Je monte, ensuite je fais quoi? Ah oui. D'accord. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Pas simple, mais faisable. Ensuite je fais ça et ça. D'accord. C'était pas tout à fait ce que je voulais faire. La fin. Est-ce qu'a fini le deuxième Force Unleashed ou pas? Parce que le deuxième Force Unleashed, il est tellement bizarre. Ah! Yes, de la priorité. Non, un disque de données, peu importe. Putain, mais vous avez vu, c'était genre une mini quête, hein. Ah putain, j'ai mon point de compétence. Un Jedi mort? Mauvais signe. Ça, c'est un Jedi mort. Attends. Une entité bien plus grande que lui? Ah non, ne me dis pas qu'il y a un rancor ici. Ok, comment je fais maintenant que je suis là? Ça m'énerve ces machins, je sais même pas comment on les désactive. Attends. Non. Ok, je la refais. Putain, il fallait faire ça depuis le début! Ah, Révis est là. Bah, Révis, je l'ai tué. Ils sont ici depuis longtemps. Ok. Attends, il n'y en a pas un plus près? Ça me fait chier. Ah, yes, merci. Merci, game designer. Merci, bébé game designer. C'est la troisième porte. C'est toujours le 3. 3, c'est le nombre magique. Ah. Encore, hein? Mais c'est pas possible. Vous êtes combien? Alors, vos petits grappins de merde. Vous m'énervez, hein? Quoi? Ils sont deux? Ils sont trois? Quoi? 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 Mais j'ai pas assez de vie, les gars! Ah ouais, j'ai besoin d'aide là! Ah ouais, là, ça. Peut-être un peu vénère pour moi quand même là. Hein. Ils pourraient pas faire comme les ninjas dans les films où tu sais, il y en a que un qui t'attaque à la fois. En plus, putain, le lieu il est. Il est... Le lieu il est exigu quoi! Putain, je vais perdre mon point de compétence, bordel! Ouais. Là, ça sent pas très bon, hein. Ouais, là j'ai un peu de mal, hein. Là, je pense pas que je le ferai. J'espère que je vais pas rebooter, revenir devant les trois et que le jeu n'est pas terminé tant que je l'ai fait pas. Ah yes, merci, merci petit Jésus. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que je suis capable? Je pense pas être capable. Voilà. I'm not capable. Donc ça c'est pour redescendre. Ça c'est pour remonter, j'imagine. Ouais. C'est là d'où je viens. Donc ça, je le ferai un jour, mais pas aujourd'hui. 3 Jedi, c'est beaucoup trop. Surtout que, en plus, j'étais relax. J'ai dit, ah, c'est bon, allez, on va se le faire, celui-là. Il sait pas encore. Allez, viens, frappe. Ok, t'aurais pas dû frapper. Thank you.
Pourtant, je joue pas trop mal, hein, comme vous pouvez voir. Ok. Attends. Oulala. Oh putain. Famous Last Word. Ouais, j'ai un petit niveau. Ah merde, c'est la poule que je voulais prendre. Foiré de poule. Ok. On peut aller là-dedans. Trop bien. Attends, je vais pas me faire bolosser par une poule là. Ok. Alors. Cela ayant été dit, il est temps de faire la quête principale. Faut que j'aille tout là-haut, c'est ça? C'est parti. C'est parti, par où on va? Ça? Ah ouais! Trop bien. Ok. Ta-da-da-da-da. Ok. On va trouver un. Je vais trouver un moment et je serai invincible. Alors, tu peux pas monter sur ce toit là. Là, tu veux pas. Hein. Ça, c'est agaçant. C'est là où Link, il est plus fort, tu vois. Il monte sur n'importe quoi. Ok. On va passer par l'autre côté peut-être. Allez, c'est y part. Alors moi je suis persuadé que cet arbre, c'est une référence à Loom, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a, un souci, monsieur, une quête secondaire? Il y a un passage où on les tape les uns les autres à qui tu parles. De quoi tu parles? Des trois Jedi? J'aurais pu les tuer un par un, c'est ça? Non mais par où on passe, mon gars? Par où on passe? Comment je vais... Ah, aussi, il y a un truc là. Oh là là. On peut... Voilà. Ouh. Ouais, sympa. Il se passe quoi? Bonjour. Il se passe quoi? Vous venez troubler ma tranquillité. Maintenant, les pillards veulent la détruire à jamais. Ah, cool. J'en sais rien. Et comment on peut les trouver? L'Empire s'agite, ce qui le rend dangereux. D'accord. Mettez-vous en lieu sûr. Oh, je compte aller nulle part. Pas envie de risquer la peau. C'est quoi cet endroit? La plateforme n'est pas ici. D'accord. Que du bonheur. Ok. On peut plonger ou pas? Est-ce qu'il y a des trésors merveilleux? Oh, c'est déjà ouvert. C'est beau. Ah oui, merde. Alors là, tu vois, typiquement, c'est un piège. Peut-être pas. Peut-être c'était pas un piège. Ça semble un piège, ça veut dire. Merci Godjet. Là, je suis hyper heureux que ce soit l'anniversaire de mon partenariat. Cool, cool, cool. Il faut que je me concentre. On va se soigner. On a un point. On ne sait pas quoi en faire pour le moment. Bon, on y va.
et d'un. Oh putain. Vas-y, pirate-le, mon petit robot, pirate-le. On est encore en ralentissement, c'est beau. Allez. Bah, tu veux pas m'aider, mon gars? Ok. Ah, le jeu est immense. Le jeu est immense, généreux. On a envie de le connaître, de l'apprécier. J'espère que Starfield sera bien. J'ai un tout petit peu peur d'un truc sur Starfield. C'est que j'ai vraiment eu un moment, il y a une base. Elle ressemble vraiment à Fallout 3 et non, Fallout 4. Merde, il y en a. Putain, combien de créatures là? Ah! Allez, battez-vous là. J'arrive pas à le faire parfois, ça là. C'est bon? Ah, du coup, j'ai trouvé un petit passage là. Merde! Oh merde! Non, c'est pas toi que je voulais. Pas grave. Ils font pas très mal en vrai. Je le mérite, hein. Je mérite quand même. Je suis méritant. Gris va adorer cette histoire. Elle sera pas verrouillée longtemps. Ouh. T'as pas envie de jouer à ce jeu? Ah, une moustache, trop bien. Chaque jour qui passe, je peux ressembler de plus en plus à Vincent Estria, quoi. Bah en fait, il y a des passages qui sont vraiment très beaux. Il y a des passages aussi, notamment dans le désert, mais il y a d'autres passages où tu dis quoi, j'ai fait ça, c'est un peu fou quoi. Attends, il y avait un truc là? Il y avait quoi? Ah. Oh. Peut-être que le Star Wars d'Ubisoft va être génial. Hein. Et genre. Si... Oh Allez, pour changer. Ouais, battez-vous. Pas possible. Merci, mon gars. Il est encore en vie? Très bien. On va se soigner. Je m'y attendais pas du tout. J'étais complètement endormi par le jeu. Donc. J'entends de l'eau qui coule. C'est fini les poules. Terrible. Elle ne fait que protéger son territoire. Alors, il y a quoi à scanner? Cette maison là, c'est quoi? Une cabane sur la montagne. T'es sûr qu'il n'y a pas grand chose à voir? Ah, tu vois, déjà il y a ça là. Celui de cabane, cela dit, attends. Et elle dit quoi cette cabane sur la montagne? Rumeur, prime, ok, je verrai ça un jour. Ça m'intrigue quand on dit qu'il n'y a rien à voir, je suis sûr que. Oh, des poules encore. Eh ouais, dire qu'elle rêvait de voler. Donc là.
Ça me permet de remonter. C'est un raccourci. Le level design me dit d'aller là. Je vais là. Très bien. Tiens, bonjour monsieur. Ah, il est pas mort. Respect. Allez, venez. Alors, je pourrais aller là, en face. Bon, allez, monsieur, il faut se dépêcher, là. Bon, je fais genre, je suis pas intéressé, tu vois. Ah, merde. Plus que un. Bon, voilà, sans trop de violence. D'accord. Finalement, c'est les bestioles qui m'ont fait le plus de mal, quoi. Il y a peut-être moyen, je sais pas. Alors ça, comment on fait? Il faut les faire bouger. Il faut continuer à grimper. Quoi? Il y en a deux. Tu es mon ami. Ouais, Ubisoft, non mais je veux dire que moi j'entretiens une relation d'amour-haine très forte avec Assassin's Creed. Je déteste tuer des gens. Et pourtant, Ubisoft nous propose de le faire dans des décors magnifiques, tu vois. Donc c'est toujours compliqué. Allez. Rapprochez-vous. Oh, c'est bien, il perd un peu de sa vie. Moi je prends le survivant. C'était beaucoup ça dans Halo. Je sais pas si vous vous souvenez, où il y avait trois types d'ennemis. Et en fait, souvent ils se tapaient les uns sur les autres si t'étais malin. Ouais, mais moi j'ai relancé Valhalla l'autre jour. Je suis allé dans des endroits que j'avais jamais vu. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est beau quoi. Bon, il est mort. Alors, plus que un. Ils sont en train de se battre, là? Allez, bats-toi contre tous ces petites... Ouais, il va bientôt mourir, c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à choper? Non. Je pourrais aller là directement, mais... C'est sans fin. Et la faune est terrible ici. Remarque, ça donne un petit côté, tu vois. Ouais, c'est joli. Ah, yes. Une plante. Trop bien. Une épine de kobo. Ça fait quoi? Un peu de priorite. Intéressant. De la priorite encore, mais non. Allez, c'est parti. En fait, là, on va faire Game of Thrones science-fiction. Mais je pense que j'aurais aimé faire du Star Wars. Les pillards font peur à l'Empire. Ça pourrait mal tourner. J'aurais aimé... je trouve qu'en fait, le son est magnifique. Il y a un truc qui m'échappe dans Star Wars. Et il y a quelque chose qui m'échappe. Quelque chose d'extraordinaire et de beau.
Et que je retrouve même pas dans Mandalorian malgré la... Comment dire la... Bah alors... Malgré la, l'intérêt que je trouve à Mando Mandalorian. Ok. Là, faut aller là. Ok, c'est parti. Quoi? Blablabla. Ça? Faire quoi? D'accord. Je me demande si j'ai un point de force. Moi, j'ai tout fait là. Confusion, je pourrais aussi, mais résilient. Bon, allez, on va continuer à upgrader notre simple. Là. Renvoie. Oh, yeah, bah, très bien. Prends ça, très bien. Ouais, en fait, ce que j'aime dans Mandalorian, c'est. Attends, il y a deux points. Il y a ça là. C'est une navette impériale. Ah, une navette impériale. Je pourrais aller par là. Mais on peut aussi. Oh, et ça, on peut y aller aussi ou pas? La plateforme doit être ailleurs. Ok, comme d'hab. Et là, il y a un établi. Et là, il y a un endroit. Moi, j'adore l'expressivité du héros de Mandalorian. Alors qu'il dit rien, tu vois, on voit juste un gars en armure, tu vois, on voit pas sa tête. Je trouve ça assez fou. C'est quoi, on va pas passer dans ce... On va plutôt passer par l'extérieur si c'est possible. Et voilà, ça valait le coup. Je me déteste. Ok, alors. Ça sent le traquenard. Attends, je me suis même pas soigné. L'endroit devait être prospère avant. Maintenant, c'est une ville fantôme. Garde tes capteurs en alerte BD. Ouais, moi aussi, je pense que c'est un traquenard. J'ai aucun souvenir de cet endroit. C'est un rancor. Bon. Équipement de surveillance. J'ai pas éveillé les soupçons de quiconque. J'entends un bruit, hein. C'est quoi? Bon petit punch là. Allez, on va jouer pro, on va jouer pro, attends. On arrête de jouer comme un con. Yes! C'est lui le problème? C'est lui qui a tué tous ces gens?
De quoi vous parlez? Mandalorian, Mandalorian, JDR? Ouais. Ouais. Enfin. On dirait qu'il va falloir grimper ensuite. Je sais que je me plains souvent, d'accord? Je suis un gars qui se plaint tout le temps. Je suis fatigué. Mais le fait est que en vrai. En vrai, j'ai pas le moral. Je suis un mec malheureux, je sais pas pourquoi. Si j'étais heureux, je passerais pas ma vie à jouer aux jeux vidéo et sinon à écrire, tu vois. Et c'est plus sûr que de marcher. Donc là, j'ai débloqué un raccourci. Et malheureusement. Merde! Et en fait, ouais, super, tout ça pour ça, magnifique. Non, ce que je disais, c'est que, ouais, donc, en fait, toutes ces choses merveilleuses, comme le Mandalorian, c'est des choses que j'ai vues, alors que j'avais pas un état d'esprit d'émerveillement. Donc voilà. Et bon, c'est pas possible encore. Et après, il y a des circonstances spatio-temporelles qui font que tu as des bonnes nouvelles. Moi, par exemple, ma vie était plutôt heureuse quand j'ai commencé The Witcher 3. Donc, en fait, c'est quelque chose que j'ai apprécié, je pense, plus que de raison. Ok. Saute là et ensuite so what. Bon, tentons le coup. Ok. Là, ça sent la traquenard. Ah, on peut aller par là, marrant. Alors que le jeu veut qu'on aille par là. Il faudrait qu'on puisse. Il y a tellement de. Là, je suis perdu un peu dans les montagnes en vrai. J'ai pas fait attention, mais. Monter là ou pas? Non. Faut que je tue tous ces gens. Déjà, on va se soigner. Alors là, je l'ai. Ça se présente pas trop mal. Ouais, occupe-toi de ces robots, mon gars. Un Purge Trooper.
Et d'un. C'est quand même pratique, hein, on les laisse s'entretuer. Moi je jouerais bien au Halo, mais le problème de Halo je trouve magnifique. Mais je pense qu'à regarder c'est pas cool, Halo. Sinon c'est des bons jeux de science-fiction. Et voilà. Ça fait du monde pour sécuriser une navette. Il doit y avoir un truc important dedans. Ah, j'adore. Les navettes impériales, je les trouve magnifiques. Le design est fantastique. C'est un design des années 70. Ça n'a pas vieilli d'un millimètre, quoi. C'est un peu des coups de génie, un peu comme, tu vois, les trains Art déco. Triste parce que les droïdes ils ont l'air très intelligents, je sais pas s'ils sont ils sont intelligents ou pas. Faut pas souhaiter la mort des gens, même des stormtroopers. Yes, upgrade. Flèchette électronique, on peut surcharger. Ok. Bah, ok. Et donc? Je pourrais aller là. Je peux aller là ou pas? Je peux aller en face? Ah, c'est ça là. Ok. Je sais pas si je préfère Star Wars ou Indiana Jones. Je crois que je suis un Star Wars boy, tu vois, quand même. Même si je suis pas très fan, je suis pas très fan de la prélogie. Voilà, mais bon. Les droïdes pouvaient développer une personnalité, mais une présence dans la force. Ok. Une présence dans la force, normalement non. Moi, mes sources montrent que normalement, d'ailleurs, en fait, il y a des ouvrages pas canon où il y a des druides. Oh merde, c'est nouveau ça? C'est un petit côté Dark Souls aussi que quand tu reviens dans des endroits. T'as des Alors, si je fais ça, il se passe quoi? Du coup, ça bouge là. Ah, d'accord, ça bouge là, mais genre pas longtemps. D'accord.
Ah! Un petit peu short. Non, non, c'est cool. Moi, j'adore parler de lore Star Wars. Tant que c'est pas des trucs un peu fétichistes, du style connais-tu la tragédie de Dark Plagueis le sage, tu vois. Moi, je pense qu'avant tout, moi, ce qui me plaît en Star Wars, c'est ce côté. Ce petit fermier qui est en fait un guerrier caché, tu vois. Ah, c'est bon. Ah, ben ça va marcher. Ah, mais je peux le faire, je peux lancer de là. Putain, mais le crétin, quoi. Il y a un ennemi en face en plus. Ah, très bien. Heureusement qu'il y a ce petit rebord. Mais je pense aussi ce qui est bien, c'est que les choses que j'aime beaucoup comme Star Wars, je crois que je les ai pas trop regardées dans ma vie, tu vois. C'est aussi beaucoup d'amour que j'ai dans ma tête, tu vois. Je vais y arriver à un moment. Waouh! Tu vas me lancer vraiment un bazooka, monsieur? Pratique. Du coup, je découvre cette petite grotte là. Inouvrable, mais intéressante. Beau. Beaucoup de Stormtroopers. Mais c'est fou parce que je suis toujours sur la planète Gobo, quoi. Je suis toujours sur la même planète. Ça, c'est cool. J'espère que. Moi, tu vois, un Star Wars dans une planète, mais qui a plusieurs biomes, ça, c'est très intéressant. Ok. Wow! Bon, je voulais le. Ah, c'est mort! Je l'ai tué, mais il y a eu un bug. Ok. Et là, il n'y a rien, du coup. Oh! Ah non. J'ai cru qu'il y avait quelque chose. Tu vois, en fait, tu vas voir parce que tu es curieux. Et c'est la baise. Ok. Sûr, il y a des ennemis là. Sûr. Je suis quand même un génie de voir des ennemis là où il n'y en a pas. Ok. Et là, rien. Oh merde. Ça va. Allez. Coruscant? Oui, bien sûr. Mais on est le tout premier, le début de Jedi Knight. Où Kyle Katarn parle à AT-88 se passe sur Coruscant et c'est assez impressionnant. Moi j'aime bien les jeux comme Knights of the Old Republic où tu te retrouves à faire des à être initié, tu vois. Ah d'accord, ça remonte, d'accord. Je suis allé trop vite. À un moment, il faut comprendre qu'on n'aura plus jamais 12 ans, quoi, j'imagine. Après, il y a des gens qui ont eu des enfances malheureuses, donc ils sont contents de plus jamais avoir 12 ans. Mais... Alors, je pourrais aller par là, mais je vois que je peux aller par là aussi. Mais pour quelle raison j'irai là? Pour aller en face? Pour quelle raison j'irai en arrière? Ah oui, je vois un truc là-bas. Une bonne raison d'aller en arrière. C'est de choper un point de compétence. Oh là là.
Ça va être rigolo là. J'aime bien faire ça. Voilà. C'est... Putain, mais on peut aller partout là. Il y a un million de choses à faire. Deux secondes, mon gars. Donc là. Par exemple, là, vous voyez, moi j'aime bien les point and click. J'avais une émission qui s'appelait Pointer et Cliquer. Récemment, j'ai joué à un point and click qui est pas très bon. Surtout la fin est absolument ridicule. C'est le chevalier de Baphomet 5. Et j'ai plutôt kiffé de le faire tout seul. Je pense qu'à des jeux, il faut les faire tout seul, tu vois, un peu dans ton auto-kiffance. Ah non! Non, mais non, mais non! Tout à refaire. Il est bien ce jeu quand même, il faut du skill, pas trop. Là je joue en mode moyen, mais on peut totalement... Ok, ça c'est la deuxième option, on va essayer d'aller par là. Bon, ah oui, ok. Bon, c'est parti. Côté site, bah, tu peux être site dans... Dans ce jeu, je crois qu'on est site à un moment. Alors, il faut que je... Posture de garde. C'est quoi? Ah putain, là, c'est Kylo Ren. Ah, je connais rien, moi. D'accord, je pouvais pas faire les mêmes coups. C'est vrai qu'on tape comme des... On tape comme des sourds. Ça va être compliqué, quand même, hein. Pas l'habitude. Elle est belle hein, par contre cette posture. Puis il fait mal hein. Ok. Putain, il y a un droïde K. Ce qui fait chier. Je pense que j'y arriverai pas. Ah! Quel enfer! Il est tellement lent, il est tellement lent! Allez, c'est parti, ensuite. C'est que? C'est qui ce gars? C'est quoi ce chapeau bizarre là? J'ai jamais rencontré ce gars là. J'arrive pas à donner un coup. Je me fais ouvrir hein. Vous voyez quand on n'est pas quand on connaît pas les arcanes. Presque plus de défense quoi. Il y a des gens qui aiment bien la posture de garde. Fétichiste de Kylo Ren j'imagine mais... Peut-être que c'est Paris qui m'a transformé en mec. Peut-être c'est la peur de la mort. Oh putain j'arrive pas à éviter rien quoi. Tellement dur. Allez. Eh ben. Alors ensuite. Tout simplement. Tout simplement. Ah mais attends, j'ai oublié, j'ai ça.
Il fait trop trop mal là, le celui de droite. C'est un sac à PV quoi. Dommage, hein. Je vais y l'avoir. Mais si t'es pas prêt, il faut que je me. Merci. Quel caisse c'est la fin de sa journée? Je pense qu'il est crevé. Ouais, et il y a aussi. Ouais. Je dirais pas que ça n'a pas marché. Je dirais plutôt que c'était un échec. Mais. Attends. Je suis complètement. Ça m'a perdu ce truc. Wow! Je retrouve ma petite épée que j'aime tant. Par contre, ce qui est cool quand on fait ce type d'aventure, c'est qu'on a repris tous ses points de vie. Il est en train de se reposer, le pauvre, ça fait de la peine. Non, sinon on a parlé de. On peut pas activer ça non plus? Toujours pas? Ok. Là on peut aller là. Intéressant, c'est parti. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça? Ça? Qu'est-ce que tu voulais voir? Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Une tente. Kylo Ren, ça l'a un peu desservi. Moi j'aime bien The Last. Je trouve qu'il y a de bonnes idées dans The Last Jedi. Il est beau formellement aussi. Moi j'aime bien quand la science-fiction elle est belle. Elle est belle et elle est pas sexiste, tu vois, parce que. T'as un Valérian, ça m'a fait du mal. Hein. On progresse bien, on monte dans les montagnes. Mais les Jedi, il y a plein de paradoxes, il y a plein de trucs qui vont pas dans les Jedi. Et ça, c'est la vérité. C'est reparti. Oulala, tout simplement, un hangar à TIE Fighter. Faut que j'aille où? En face? Non. Oulala, c'est quoi ce monde là? Faut que j'aille là. Non, je peux pas trop. Ok. Ok. Ok, on va essayer de les pirater tous les deux au cas où il y en ait d'autres qui viennent. Parce que je sens que c'est genre l'armée qui est là, quoi. Ok, et d'un. Pirate.
Eh ben, je me fais la totale, lui. Ah, très bien, on en a deux qui sont à moi. Est-ce qu'il y a des ennemis qui vont venir ou pas? Est-ce que j'ai bien fait? J'ai pas bien fait? On est bon? Merde. Heureusement qu'ils sont débiles, hein. Très bien. Non, ça se passe plutôt bien. Allez, on va y arriver ou pas? Je me gratte le nez. Hein. Est-ce que c'est injurieux vis-à-vis de l'armée des... Allez, vas-y. Non, dommage. Tant pis. Allez, viens. C'est bon, ils sont tous morts? Ah non, il y en a encore un. C'est bon, ils sont tous morts? Yes, point de compétence. Oh merde, c'est pas terminé. Ok, on va se passer on passe en Darth Maul mode. Il y en a combien? Il y a des nouveaux gars là. Oh non, pas lui. Putain, c'était assez propre le combat là jusqu'à présent. J'étais assez fier de moi. On va repasser en mode défense. On peut passer. Voilà, très bien. Ok. C'est bon, on peut y arriver ou pas? Voilà, tiens, vas-y, aide-moi. J'arrive pas, quoi. Allez, c'est parti. Putain, il fonce là. Aide-moi. Merde. Allez, vas-y, tire-moi dessus, là. Là, je suis en train de tout gérer, là. Ok, plus que deux. Est-ce qu'on peut... Non, je peux même pas repartir. J'espère qu'il n'y aura pas un méga boss ensuite, quoi, tu vois. J'aimerais bien pouvoir monter là-haut, là. Mais non, c'est un doux rêve. Très bien. Non. Dommage, hein, je m'étais plutôt bien tiré, je trouve. Ça va être un combat relou, mais... faudrait que je trouve la technique. Mais le deux robots de la fin, là, ça m'a fait un peu mal. Salut Lincus, ça va? Je souffre un peu. J'en ai tué beaucoup, quand même. Mais non, il faut que je réfléchisse à une technique. Réfléchissons. Réfléchissons à une technique imparable. Ça c'est. Il faut que je sorte la poubelle. Il y a un rappel pour fibre. On va tenter un autre truc. Un truc. Technique de débile.
On peut pas. Oh merde. J'ai tenté. C'est genre s'accrocher au rebord. Oh, ok. Ah, je suis mal barré là. Déjà, je parle plus mal que tout à l'heure. Ils sont tous morts? Ok. Enfin, je veux dire, il reste plus que les robots quoi. Ouais, bah. On en parlera, hein. Ça marche plutôt bien dans Zelda. Peut-être qu'avec le blaster, ça marcherait bien en fait. Voilà, très bien. Et d'un. Oh non, putain, j'ai tué mon propre allié. Complètement con, Fibre. Super. Pas du tout ce que je voulais faire. Un mec il me prend au corps à corps quoi. Ok, reste les deux. Attends, qui m'envoie des. C'est toi qui m'envoie des. Ok. Donc il reste les deux bazookas. Ok, c'est parti. J'ai encore un fond de vie. Hop, je me soigne un peu. Voilà. Voilà, très bien, merci le Purge Trooper, je sais pas quoi là. Ah, très bien. Putain, il y a encore d'autres gars, mais ça s'arrête jamais. Laissez-moi en paix. Très bien. On n'est pas trop mal là, hein. Ça commence à déconner là. Oh putain. Cette dernière vague, elle est dure. Ok, je sais ce que je vais faire. Ça. Ok. Il reste combien là? Il reste d'autres gars ou pas? Ouais, il te reste toi là. Toi, tu vas m'aider. Tu vas être dans mon camp. Et j'ai pas trop l'habitude de ces gros robots là. J'ai déjà perdu toutes mes. Ok, plus que les deux gros robots, j'ai un de vie comme tout à l'heure, donc c'est la merde. Alors, est-ce que je peux putain. C'est vraiment. C'est le combat dans Dark Souls 2. Dans un lieu hyper exigu.
J'arrive pas, hein. Ok. En fait, lui, plus tu le tues, plus il devient vénère. D'accord, allez hop. Non, 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 non. Allez, soigne-moi. Soigne-moi. Putain. J'essaye, hein. Je fais de mon mieux, hein. Attends, ok. C'est bon ou pas? Putain, j'aurais peut-être dû faire ça avant. Genre, on pouvait monter. Putain, il y a encore des gars. Si je meurs là, c'est vraiment la merde. Ah ouais? Mais alors, je peux pas le tuer à cette porte-là? Leur stupidité ne les empêche pas de conquérir la galaxie. Y'a pas un endroit où on peut récupérer des points de vie? Ou que j'aille où là? 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 Ah. Des bombardiers. Ils pourraient raser l'avant-poste avec ça. D'accord. Déjà que j'ai pas beaucoup de vie, quoi. Attends, putain. Donc si je fais ça... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. J'ai débloqué un raccourci. D'accord. Et donc, entre quoi et quoi? On sait pas. Hein. Quoi, attends. C'est quoi ce bruit? Il y a un gars en face, mais il est tout seul.
Oh non, un boss technicien de porc. C'est quoi le tech? C'est qui ce gars? D'accord, c'est une blague. Je suis tellement en stress de genre j'ai plus de vie. Et là il y a le vrai boss. Bon, c'était rigolo ce petit boss. Faut qu'il y ait de l'humour dans Star Wars, c'est très important. C'est beau. Waouh. C'est beau. C'est toute la... Je suis au-dessus, sur le sommet de la planète là. Ah, encore le Lucker Hulk. On est au-dessus des nuages. Ah, il y a une bataille spatiale. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, je vois un point de... Je sais pas comment y aller, mais... comment je fais, là? Ah oui. Ouf. Ok, ouf. Merci, petit Jésus. Après le combat infernal, là. Allez, c'est parti. Ça vous plaît ou pas? Ah, il y a Mandalgérian qui est là. Donc c'est comme le Mandalorien. Mais nord-africain, j'imagine. Moi, j'aime, comme vous savez, j'aime bien l'Asie mineure. J'aime bien l'Afrique aussi. Et j'ose pas trop le dire parce que, tu sais, ça fait genre... ah ouais, ok, c'est un raccourci près de la cabane, quoi. Ok. Ça fait très... comment ça s'appelle Tu sais, les Blancs qui disent « Ah, j'adore l'Afrique, je tombe amoureux de l'Afrique. » Voilà. Souvent les gens qui disent ça, c'est des gens d'ailleurs qui veulent vous dire j'ai de quoi me payer un voyage en Afrique. Et par contre, il y a un pays que j'aimerais jamais, c'est l'Australie. Et l'Afrique, c'est très peu dans notre imaginaire, les paysages africains, tout ça. C'est jamais vraiment... Bien, salut Windowmaker, merci. Alors, est-ce qu'on peut aller là? Oui. On peut aller encore plus haut, mais c'est fantastique. Même plus besoin de poser les pieds par terre. Waouh, une cité dans les nuages, mais c'est incroyable. Ça, c'est pas mal, hein. Attends, j'ai un alerte. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah, un peu court. Un peu court, jeune homme. Bah, c'est même un peu trop court, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ah, peut-être il faut aller de ce côté-là. En vrai.
Ouais, c'est déjà beaucoup plus simple. D'accord. Là encore, il manque un truc. Est-ce que je peux reprendre celui que j'ai utilisé ou pas? Non, il est même plus là. Alors, réfléchissons. Un petit peu loin. Oh, il y a des trucs en bas, mais à mon avis, rien d'intéressant. Aller en face, ça m'étonnerait. Non, si, je pense qu'il faut aller là, mais qu'est-ce qui me manque? On va essayer de courir aller plus vite. Non, il manque un truc. Et quoi? Est-ce que je peux le récupérer? Attends, on va retourner là. C'est encore trop court! Ah, mais attends, il y a un truc en bas! Putain! En fait, ouais, le 1 il était un peu linéaire quand même, je pense. Voilà, maintenant ils ont décidé de supprimer le sol parce que le jeu était trop. C'est beau, hein. Allez! Wouh! On y a cru, hein. Ok. Comment je fais pour... Ah oui. La porte est verrouillée de l'autre côté. D'accord, no problemo. Et donc là, là il y a ça. Et donc j'en fais quoi de tout ça? Rien. J'en fais rien du tout. Je suis rentré par où? Je sais même pas. Par là. Donc... Attends. Ok, donc normalement ça, ouais, ok, ça ouvrirait ça, mais c'est pas la peine de le faire. Si je fais ça, ça sert à rien. Ok. On va essayer de voir ce qu'on peut faire si on va plus loin. Genre par là. Voilà, ça c'est bon. Boum. Je vous la porte. Il y a des trucs à ramasser là ou pas hein? Oui, par là, excusez-moi, je me suis endormi. C'est pas ça que je voulais faire. Alors, ça détruit pas ça. Bon, pas de problème. Ensuite, on prend ça. Où je le mène où? Je sais pas. Yes, on va aller là-haut, nous. Oh, trop bien. Pas de problème. Yes, un point de sauvegarde, ça on aime. Le jardin? Ah non, Assassin's Creed 1 n'est pas très linéaire, on a le choix entre trois villes.
Point de compétence, non, on peut se reposer un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Pour l'instant, pas d'ennemis. On va aller là, il n'y a pas d'ennemis, donc tout va bien pour l'instant. C'est quoi cet endroit hyper haut en face? Ça me donne envie d'y aller, hein, tu vois. T'as la petite musique là? Ok, il y a des stormtroopers. Ah, mais ils sont en train de s'entretuer, mais c'est parfait. Ils peuvent monter lui ou pas? Ah oui, ils peuvent monter. Ok, d'accord. Putain, des droïdes, des droïdes de casse quoi. Ok, on peut pas aller par là, pas de problème. Ok, pas de problème. Ils me font mal, hein? Merde. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Ok. Pas de problème. Je réfléchis. Ok. Voilà, ils vont encore me poursuivre ou pas? Peut-être dû les tuer quoi. Ok, tout va bien. J'espère qu'il faut aller dans ce sens-là. Ouais, j'adore, j'adore. Ok, pour l'instant, on n'a rien vu. Donc là, il y a un droïde mage ou je sais pas quoi, un arcma droïde. Plus beaucoup de vie. Qu'est-ce que je fais? Ils vont me lancer des... J'essaie de voir un petit peu. Surprise, motherfuckers. Ah! Ouf! Allez, c'est parti. Ok. Merci. Allez, on n'a plus qu'à attaquer le gros morceau. Ouh! Ouais, donc pas par là. Ça. Salut Emuel K. Pourquoi cherchez-vous l'observatoire? Un simple pion. Avez-vous un dispositif de communication? Oui. Activez-le. Je m'appelle Dagan Guerra. Votre attaque ici a échoué et vos soldats ont perdu la vie. J'espère que vous vouliez. Laissez-moi
là là. Pauvre petit Stormtrooper. Alors, on peut pas aller par là, est-ce qu'on peut aller par là? Ouh là 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 là. Ça, j'aime pas. C'est beaucoup de prouesse, hein. Pas mal quand même, hein. Sérieusement? Ok, donc là, ça, je pourrais l'utiliser tout à l'heure, mais on va essayer d'explorer un peu ailleurs. Ouh. Là, c'est joli, ces intérieurs. C'est... Encore une fois, c'est très 70s, et pourtant, c'est magnifique. Ah, j'ai débloqué un raccourci. Partager l'amour dans le chat. C'est un boss? On est bien parti pour... on est bien parti. Pour l'instant, il nous a pas touché une seule fois. Ça peut changer, hein. D'accord, là ça vient de changer. Là ça vient de bien changer encore. D'accord. Réfléchissons. Remettons-nous en question. Allez, t'as plus beaucoup de vie, mon vieux. Eh ben, un boss de plus. Elle est belle, la vie, non? Salut Scratou. Il faut se dépêcher. D'accord. Et là on peut y aller ou pas, non? Un boss de plus en moins, exactement. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ok. D'accord. Est-ce que je peux monter là? Voilà. Et il y a un peu. Bah, qu'est-ce que je fais? Yes. On n'aime pas ça là. On n'aime pas faire ça là. Allez. Sans déconner. Sans déconner, regardez-moi ça. Allez, en plus, en plus. Allez, vas-y.
Faut que je saute là de temps en temps en plus. On aura tout eu. Non. Oh, putain, j'étais si proche, so close. Je viens de reprendre un peu mon... Ok, on y est presque. On y est presque, on y est presque, on y est presque. On saute une fois, voilà, et ensuite on monte tout doucement. Pourquoi je me suis planté tout à l'heure? Maintenant on prend ton vaisseau? Il est beau, hein, c'est un ZX80, c'est ça? Magnifique. Donc on va où, Dagan? Je te kiffe, mais à là-haut peut-être? Ok. C'est vrai que c'est joli. On aimerait savoir ce qu'est sur ces autres montagnes là-bas. Toujours aller dans l'autre sens. Ouf, que c'est dur. Le jeu est dur, hein. Après, à Elden Ring, j'avance moins vite et j'ai un peu plus peur parfois. Ça n'est parfait. D'accord, donc là il va falloir que je remonte à contre-courant à chaque fois. On va dire que c'est un vrai bonheur. Alors ça a l'air simple, hein, mais c'est méga dur. C'est simple la vie quand on a un jetpack. Ah oh, yes. En espérant qu'il n'y ait pas un boss trop près. On va se reposer, on a 2 points de compétence. Je crois que je peux augmenter mon sabre laser simple. Télékinésie, ouais, ça peut utiliser. Ok.
va commencer à investir dans la télékinésie. Allez, c'est parti. Ouais, je te suis. Quoi ? Bah, j'appuie. C'est vous comme le boss était nul. Ah non, c'est des Magna Guard. Trop bien. Ah non, Bud. On a dit un chacun, hein. Vas-y. Donc là j'en pirate un. Et donc on est à 3 contre 1, c'est pas mal là. Je peux un peu le déstabiliser, tu vois. Pendant que l'autre, hop, je lui fais des petites push. Pendant que l'autre il se bat contre lui. Super, on en a un, il a presque plus de vie mais... Tu peux aller là? Knight of the Republic était super. Hein. Donc, faut que j'aille là, c'est ça? Un vrai bonheur. Contact ennemi. Où ça? Où ça? Ouais, de dire n'importe quoi. On va pas descendre. On va pas monter. Peut-être là. Peut-être faut appuyer là. Peut-être faut appuyer sur le bouton. Je sais pas. Non. Allez. Peut-être là. Non. De toute façon, s'il y a ça, c'est que... J'ai tenté. Je suis paumé. Mais peut-être qu'il faut tuer le gars là. On va peut-être ça qui est. Voilà. Ça change des choses ou pas? Bah non, j'aurais pas dû. Mon bod, on fait quoi là? Bod, tout bod. J'ai aucune idée. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais je ne sais pas quoi faire. Ouille. Allez, t'es presque mort. Allez, ils sont deux à nouveau. Allez, on va s'occuper des droïdes parce qu'ils commencent à...
Ok. Et donc l'autre, yes, on en a un, très bien. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas. Il fallait pas. C'est là d'où on vient, j'ai l'impression, non? J'ai l'impression que. Je sais pas si ça a tourné. Attends, je viens de là ou pas? Non. Oh putain, il y a encore des gars là. Ok. Merci les gars pour les infos. Ok. C'est parti. Encore un gars. Ok. Il n'y avait pas ça à faire. Ni ça. Peut-être faut appuyer sur le bouton. Yes. Quoi, ils arrivent? Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai perdu un Steam. Voilà. Ok, je comprends pas trop donc. Ça, ça sert à. Et d'un. Là, il y a un gros avec un marteau là. Malin. Putain, j'ai failli. Il était en critique là, le pauvre. J'ai vraiment un sidekick qui sert à que dalle. Je peux pas l'influencer lui. J'adore dans Elden Ring les combats où t'as un ennemi qui s'approche lentement de toi, qui a l'air fort, tu vois. D'accord. Bravo! Incroyable! Incroyable. Ok, il y a un truc là. Quel dommage que dans les jeux comme ça, la Dark Souls, quand t'as tué plein de gens, tu peux pas sauvegarder. D'accord. Donc est-ce qu'on peut aller par là? Pensez. On peut aller là, c'est sûr. Yes! Petit Jésus, faites qu'il n'y ait pas d'ennemis. Non, ça va. En fait, oh, c'est quoi? Faut un moment que je me pose un peu... Ah bah super. Attends, j'ai vu un truc là-haut là. Ah ouais. Évidemment. Ah oui, comment je fais, bien sûr. Ah non, ça s'est refermé. Ouvre-toi. Ah yes.
Non! Comment je fais pour y aller? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est comme regarder un film? Je sais qu'il y a des jeux. Je sais que Daz joue à Elle est Noire en ce moment. C'est un bon truc, mais moi je me sens pas le courage de refaire Elle est Noire. Je l'ai bien fait. Et pourquoi on peut pas le mettre à l'intérieur? Alors. Comment je fais pour aller là-haut? D'accord. Putain, tout ça pour rien, quoi. Ça sert à rien d'aller là en plus. On peut aller de l'autre côté éventuellement? Est-ce que ça on peut le transporter? On peut faire ça. Ah bah c'est super. On espère qu'il n'y ait pas d'ennemis ici. Non, c'est bon. Il y a des jeux qui racontent des belles histoires. Mais... Alors. Ok. Et donc là, c'est pareil, on va recontinuer. Super avec ton jetpack, mon gars. On y arrive. C'est pas le cœur de la base, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est raccourci. Ah yes! On va pouvoir se reposer. Si seulement le raccourci était là depuis toujours. Oh. Merci Airbus Toulouse. T'es vraiment à Toulouse et tu étudies les Airbus? Tu sais qu'on a travaillé avec, au CNES qui est à Toulouse aussi. Ah, Kratu arrive. Je sens qu'il y a un nouveau boss. Coucou Kratu! Bien le bonjour Kratu, je suis en stream, nous jouons à Jedi Survivor. Ça va plutôt bien, j'ai tué plein de Stormtroopers, c'est bien ou c'est mal? Vous savez que j'avais dit que je serais là pour 19h? Et il est 19h? Bah il est pas encore 19h, mais... Est-ce que t'as sauvé plein de gens? Parce que moi j'ai tué plein de gens, il faudrait que ça compense. Tu m'as ramené une tomate, mais j'ai trop de chance. Un nouveau point de compétence, trop bien. Ça
Oui, je termine le short stream, je termine un petit... J'attends de voir le boss de Jedi Survivor, je suis dans une... coucou Raven. La tomate, c'est super gentil. Bah, j'espère qu'elle est grosse, cette tomate. Non, elle est pas grosse, mais c'est la plus petite. Elle m'a ramené la plus petite tomate. Moi qui... Oh, on peut méditer, parce qu'il y a un boss derrière. On va voir si le boss, il est faisable. Après, je vais... C'est mon anniversaire de stream. Enfin, de partenariat, en fait. De partenariat. Oui, ça fait un an. Ça fait que un an ? Je sais pas, peut-être ça fait plus. C'était plus ancien que ça ? Non. On va prendre ça. Sympa. Ok. Et ça, c'est quoi ? J'ai passé l'aspirateur, effectivement. T'as réussi à revenir à son... Non, j'ai dû le porter dans mes bras. Je dirais pas qu'il a un problème, je dirais qu'il est différent. J'essaie de pas... Alors, est-ce qu'il y a un boss ? Oulala, une arène de boss. Je fais un boss et j'arrive. Et je déguste cette tomate. Mais je la mangerai comme Denethor. Et toi, tu seras Pipin. Tu vas raconter une histoire et voir... On rigole bien quand même. Si seulement Santar l'avait soutenu, nous aurions pu convaincre le conseil que Tanalor valait le sacrifice. Elle n'est plus là. Révis n'est plus là. L'ordre n'est plus là. Et moi, je suis libre. Ouais, la liberté, c'est la solitude, hein. Tu n'es pas libre, Dagan. Ouais. Tu es seul. Que fais-tu là alors que ton véritable ennemi est dehors? Comment as-tu pu laisser la galaxie tomber entre les mains de cet empire misérable ? Vous avez la rêve des Nétors et la tomate ou pas ? Nous ne sommes pas vaincus. Pas encore. Tiens, qui se laisse aveugler par son passé ? Au cœur de l'abyss, l'empire ne peut pas nous atteindre. Je ferai de ce pillard une armée d'élite. Il mange une cuisse de poulet. Et aussi, ouais. C'est vrai ? Ouais, il mange aussi le poulet aussi. Même repas ? Ouais. Merci, mais on a déjà un empereur. Remets-nous le compas. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? Parce que je suis un père à court d'options. Et t'es un obstacle sur le chemin d'une vie meilleure pour ma fille. Donne-moi ça. Ou je t'abats sur place. Tu t'accroches à de piètres. Il a qu'un bras. Oh putain, il a deux sabres. Allez, c'est parti. Wouah! Compliqué, hein. Il fait un peu les mêmes moves qu'avant. Ah, il est... Pas mal cette... Merde, 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 merde. Tu restes enchaîné au passé. Je crois que la tomate de Denethor, elle est trop juteuse. C'est impossible de se concentrer hein, quand on pense à la tomate de Denethor. Bah... Et je comprends, il ralentit... Il envoie des boules, là. En fait, j'ai jamais fait cette partie, là, je crois. J'en ai aucun souvenir. Et le boss, elle a l'air vénère.
Les boules, j'aime pas là. Ah, enfin, il revient, mon ami. Bon, on se débrouille plutôt pas mal pour l'instant. Ah non, il était pratique. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il me fait une Saint-Roman. Il peut modifier la gravité. Ok, parfait. J'espère que les contrôles sont pas inversés. Ah non, c'est bon, ça va. C'est là, la caméra est à l'endroit. Oh non! Non! On a dit pas trois Jedi en même temps. D'accord. Attends, comment on évite ça Compliqué, hein. Attends, mais toutes ces attaques sont imparables. C'est le Magritte. J'ai plus de vie. T'as vu, ces attaques sont imparables. Oh non, ils sont encore trois. Je pense que j'y arriverai pas aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Donc, mais chouette combat. On a joué ensemble quasiment 2 heures, 3 heures. Donc, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. On se retrouve demain pour battre ce putain de boss. Et c'est tout, en fait, rien d'autre. Je vais manger une bonne tomate en regardant peut-être le retour du roi. C'est dans le retour du roi ou c'est dans les deux tours? Peut-être les deux tours. Je pense que c'est dans les deux tours. C'est les deux tours, je l'ai vu qu'une fois. À 19h, on regarde le stream de Mila. D'accord. À 19h, on regarde le stream de Mila. Tu veux que je la raid? Bah, elle a pas commencé encore. Bah, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que je continue à jouer un petit peu. Et on raid, je raid Mila de Blois. C'est quoi son... Parce que Kratu, elle est fan de Mila de Blois. Kratu, est-ce que... style gothique Lolita? Non, c'est pas gothique, ça a jamais été gothique. Ça a jamais été gothique, Mila de Blois? Bah non, okay. C'est Sweet Lolita. C'est sa chaîne, c'est ça? Sweet Lolita? Non, sa chaîne, c'est Mila de Blois. Et le style, c'est Sweet Lolita? Mila de Blois, son pseudo. Vous connaissez un peu? Elle fait un react ce soir. Elle fait un react à quoi? À une émission. Mon beau-père ne supporte pas mon look. Et le look, c'est. C'est Lolita? Vous avez entendu ou pas? Bah, attendez, on va attendre qu'elle soit. Tu sais quoi? On va attendre. Alors, je me mets en comme ça. Voilà. Là, je vais sauvegarder. À l'épisode dans l'émission C'est ma vie, mon beau-père ne supporte pas mon look. 2010. À la console. On va pouvoir discuter 2 minutes le temps que Mila de Blois se mette en passe. On va préparer le raid Mila de Blois. Comment a été votre journée? Raid, attends, merde. Raid Mila de Blois, c'est tout attaché? Mais c'est pas commencé encore. Non, mais je vais pas la raider tout de suite. Salut Elisarine. Oh, merci pour ton. Je sais pas. Elisarine qui sub là. C'était pas une meuf que j'ai rencontrée en vrai, genre à Lille ou un truc comme ça. Enfin, excuse-moi si je m'en souviens pas, mais comment était votre journée? Moi, je veux raconter ma journée. Je me suis levé très tôt, très très tôt, parce que Kratu était pas là ce matin. Et Kratu, elle se lève hyper tôt. Et vraiment, un des plaisirs que j'ai dans la vie, c'est quand elle se lève, tu sais, elle s'habille, elle grogne, tout ça.
c'est d'être dans mon lit et de faire semblant de dormir, tu vois. Et je fais semblant de dormir et je dis, ah putain, je suis bien. Et puis, quand elle s'approche de moi, je dis, ah, t'es réveillée parce que moi, je vais encore dormir 2-3 heures, tu vois. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, c'est comme ça, ça la réveille un peu, voilà. Donc, mais effectivement, dès qu'elle est partie, à 8 heures, hop, je suis debout, je me fais mon petit café, ah, voilà, Togone. Café soluble. Ensuite, normalement, tartine de confiture, mais il se trouve que moi je mange la confiture très très vite. Je suis quelqu'un qui consomme, quand il y a de la confiture, beaucoup de confiture. Je suis du genre, vous savez, c'est le proverbe sur la confiture et la culture, c'est plus on a de culture, plus on a de confiture, c'est quoi ? Non, il y a un truc comme ça, non ? Oui, c'est exactement ça. Non, mais la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a. Ah, moins on en a, plus on l'étale. Et alors, moi, je veux dire quelque chose. Moi, mon truc dans la vie, c'est de mettre beaucoup de confiture. C'est pas moi on en a, c'est j'en mets beaucoup tout le temps, voilà. C'est alors je sais pas si c'est un rapport avec la culture, voilà. Et donc ah oui, t'es avec Dropy, voilà. Ah, t'étais là, trop bien. Et donc t'es parisienne. Et comme je mange beaucoup de confiture, je la mets jamais au frigo, voilà, parce que j'aime pas la confiture froide, j'aime la confiture tiède. Et il se trouve que comme je la mets pas au frigo, il n'y a pas de moisissure qui se développe parce que je la mange vite. Mais parfois, je ne suis pas là. Je ne suis pas là deux jours à cause de Game of Thrones. Et du coup, il y a une petite moisissure qui se développe. Et là, il y a une personne dans mon couple, qui n'est pas moi, qui jette de haine la confiture à la poubelle, tu vois, alors qu'on pouvait la préserver. Toujours est-il que, donc, ce faisant, ma confiture préférée, qui est la confiture de fraise. Et je dis bien la confiture de fraise, pas la confiture de fraise des bois, pas la confiture de fraise intense. Mais tu aurais jamais dû la jeter. Dis-leur, c'était quoi? Non, je veux pas dire ça. Je veux pas rentrer dans les détails, s'il te plaît. Et ça m'a brisé le cœur. J'étais beaucoup plus triste que toi, d'accord? J'étais beaucoup plus triste que toi. Bon, peu importe, en tout cas. Non, ne dis rien. Mais ça va, il y a des trucs qui sont secrets dans nos vies, il faut pas en parler. Écoutez pas, Kratu va dire quelque chose, mais c'est pas vrai, je me suis fait pirater. Non, ne dis pas. Écoutez, et en plus, tu veux dire quelque chose. C'est pas moi qui l'ai jeté, d'accord ? C'est pas moi, c'est elle qui l'a jeté. Pour me faire culpabiliser, pour que je vive dans le regret de cette confiture qui n'existe plus, pour me donner une leçon, pour me dire, t'aurais dû la mettre au frigo, tu vois ? Bon, mais peu importe. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai, à cause de ces confitures jetées par haine, voilà, il n'y a plus de confiture de fraises. Moi, je mange uniquement de la confiture de fraises. J'adore la confiture de fraises. Donc, aujourd'hui, j'ai dû ouvrir un nouveau pot de confiture. Est-ce que tu es au courant ou pas ? Bah, j'ai vu, mais en fait, c'est pas la confiture. Est-ce que tu es au courant ? Je l'ai vu dans le frigo tout à l'heure. J'ai ouvert une confiture coréenne d'orange. Parce que, en fait, dans cette maison... C'est du yuzu. Dans cette maison, il y a deux types de personnes. Il y a un mec normal qui mange des saucisses et de la confiture de fraises. Il y a une personne qui mange des bangkwang et de la confiture de yuzu. Voilà, tu vois, donc ça, c'est bon. Et donc, ce matin, j'ai donc mangé des tartines de confiture. Non, oulala, tu confonds. Tu confonds, très grave. Et donc, j'ai mangé de la... En plus, c'est de l'orange. C'est pas du tout du yuzu. Ça a goût d'orange ? Cette langue. Cette langue peut détecter des millions de saveurs. Je fais partie du top 50 des gourmets mondiaux et je crois que j'ai senti moi, parfaitement. Je l'ai acheté en tant que confiture. Non, c'est une méprise. Tu en as de la tisane, mais elle est derrière. Celle-là, je ne l'ai pas prise. J'ai pris de la véritable confiture d'orange fraîche. Il y a marqué fresh dessus, tu vois. C'est vraiment. Si, c'est fresh. Voilà. Donc, toujours est-il que. J'ai. Bon, alors, Mila Deblois, elle fait quoi là? Bah, je sais pas. C'est à 19h ou 19h30? Moi, je vais pas tenir 30 minutes sur la confiture, là. Elle a dit que c'était 19h, mais elle est toujours pas là. Ok. Et donc, c'était aujourd'hui? Oui, le 28. Ok. Et donc, Dropy est là. D'ailleurs, on voit que Dropy est là, parce que quand c'est Daz, il arrose, sans compter, quand il est là, il se fend dans un commentaire. Ne sub pas, Dropy. Ne sub pas. Et je t'ai dit, c'est pas... C'est pas de la psychologie inversée. Ne sub pas, d'accord ?
Donc, tu la vois Locke sur sa chaîne, elle va bientôt lancer. Oh là là, c'est bien, putain. Et donc, que disais-je? J'ai pris cette confiture, je me suis fait un petit café Green Lion, c'est ça? Je suis un génie. C'est mon café préféré, voilà. Parce que j'ai découvert ce café. Et Et bah, il était là. C'est moi qui l'ai acheté. Il était dans... Tu l'as acheté, certes, mais il Ouais. était dans le tiroir. C'est moi. Et quand j'ai ouvert le tiroir et que j'ai pris le café Green Lion et que je l'ai goûté et que j'ai dit c'est un café délicieux, je me suis dit je suis un putain de génie. Je suis un putain de génie. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci Alizarine. Ça c'est ça. Et donc merci Alizarine. Ah mais non, maintenant ça compte pas. En fait Alizarine elle a se b pour Dropi. Non. Non. Reprends les sables. J'ai découvert dans mon tiroir. Bon, et donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je joue passe, hein, la douche, la masturbation, etc. Ça y est, elle a lancé Je son réponds. stream, mais elle est en écran battant et il y a un accord pour 14 minutes. Je réponds à mes mails. Je réponds à mes mails. Je réponds à mes mails. Et ensuite, j'ai travaillé jusque vers 13h. Et maintenant, je vais vous envoyer chez Mila de Blois. Ce que vous faites, c'est faites-vous une petite tartine de confiture de fraises. Vous avez de la chance. Et moi, pendant ce temps-là, eh ben, je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Rien, je vais me reposer. Je vais manger. Non, je vais manger. Tu sais ce que je vais manger? Des ramen. Ah ouais, la tomate. Yes. Allez, à bientôt. Bisous. Et dites bonjour à Mila de ma part. On s'adore.